Eh ben salut à tous, c'est parti pour la deuxième partie du coup de l'ouverture de la display force temporelle avec l'autre moitié donc de 18 boosters. Et je vois qu'il y a une trace là, on dirait une trace de sang sur la boîte, c'est ou de chocolat, assez chelou. Bon, en tout cas la boîte elle est jolie comme toutes les autres, je vais les garder, les displays vides. En plus les boosters ils ont de la gueule, ça fait penser à Team Aqua Magma de l'époque. 2003, un truc comme ça. Bon, début des années 2000, quoi. Let's go. On est là pour choper de l'ultra rare. Deux belles cartes. Et let's go, on commence avec un paume de pique. Pois chijon. Vivaldin. Kayminus. Qui fait trempette. Tondeuse. Ok. Pelage. Planche de sauvetage. Pijako. Reverse. Rugilune. Reverse. Et Drailleul en holo. Commence tout doucement. Je me demande s'il y aura encore pas mal d'ultra rares. Ouais, en tout cas, l'AR n'est pas encore sorti. Un Grenipio, Pelote de laine, Meltan Topico, Medina, Paume de fer, Capsule, Rubambelle, Azumarill, Pifeuille, Flotte Mèche. Et lui, c'est Feu Faux Rêve. Ouais, donc, c'est une variante, quoi. Hop. Il y en a beaucoup qui préfèrent celui-là entre les trois chiens légendaires. Et moi perso, c'est Raikou. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il est peut-être type électrique. Ou juste parce que je le trouve super. Il a du flow. Tortipousse. Abo. Carvana. Toudoubé. Commande. Route vert. À manger. Qu'est-ce que c'est que ces cartes-là? Moi je sais pas ce que c'est. Bon, après, avec leur côté rose-violet, c'est stylé, mais m'attire pas plus que ça. Fulgudog, Alligature. Donc, je sais pas, dites-moi si high-tech. Bon, en tout cas, il y a les petits reflets, là. C'est marrant. Mais ouais, ok. Peut-être que c'est pour le jeu. Peut-être que dans le jeu, c'est des cartes qui servent bien, qui aident bien. A voir. Scolossandre, Nefli, Déflaisant. Et je vais poser ça là. Frissonnille, Boumata. Et deux Solourdeau. Okay. Toujours aussi moche comme un Solourdeau. Je vais bien faire le top. Toi, si tu peux venir en air, ça serait merveilleux. En alternatif. Alors, Bombidou, Roselia, Girafarig, Virovent, Jungle, Montracite, Guide, Spectrum, qui est stylé, Gringolem et Rugilune. On commence tout doucement à voir un peu toutes les holos. On est en train de faire le tour, j'ai l'impression. Quelques doubles, après peut-être qu'il y en a que j'ai pas encore vu, je ne sais pas. Je ne sais pas le taux d'holo qu'il y a. Electek, Skitty, Insécateur, Nucleos, Bourinos, Flugudog, Galopa. Oh, est-ce qu'il est Raichu en... Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est... Ah, c'est l'alternatif. Ouais, j'aurais eu l'adresseur alternatif. Ok. Ah, Feu Persan, Ex, pas mal. Alors moi, j'ai eu un des trois chiens en Ex. Mais là... Ah, pour moi, c'est... C'est une alternative et j'ai une dresseur. Chose que je voulais pas, mais au final, je sais pas si ça sera la seule de la display. Bon, ok, elle a un certain style avec les Pokémon autour, mais les couleurs sont un peu fades, sombres. Moi, j'aime pas trop spécialement, mais bon. Ok. Et ben, c'est un premier booster double ultra rare. Feu Persan sec, que j'avais oublié qu'il y avait Entei comme ça. Il s'appelle comme ça. Ok. Pourquoi pas? Là, je me dis, j'ai la déception, mais c'est pas encore fini.
peut-être avoir quelque chose de cool, en espérant. On verra bien. Scolocendre. Oh, reliquante. Oh, elle est super cette AR de ectoplasma. Oh, génial. Ah bah ça aussi, c'est un beau booster. Reliquante. Par contre, est-ce que je peux augmenter la luminosité? Non, là, je la baisse. Là, elle est à fond. Ok. Elle est... Où elle est stylée avec le petit coquillasse là? Les tortues, je sais plus. Il y a plusieurs Pokémon autour. Très stylé. Il faut que je sorte des sleeves. Hop. Voilà, je suis content pour la full art. Parce que j'ai eu une full art dresseur bah, de Nefli sur la première partie. Et là, il y a Ectoplasma qui est vraiment pas mal, très apprécié de beaucoup de gens. Première génération. Super. Hop, et puis on est qu'au début. Peut-être avoir une période creuse. Alors, Rocabo, Chinchidou, Thiboudet, Frissoni, Edin, Énergie, Symbios, Marill, Noirfang et Épine de Fer. Et c'est vrai que je me suis pas tardé sur la reverse de Raichu. Et qui est stylée aussi. Si je peux avoir la reverse de Pikachu, ça serait vraiment super. Punaise. Le booster il m'a glissé. Hop, énergie haut. Alors, un seau lourdeau. J'ai des notifications, du coup je vois plus mon écran. Gringolet, Marill, Ripat, Pelage, Garde-fer, Bâton de masse. Poser ça là. Chapignon. Oh, le stylé Latias en reverse. Celui-là, il est moche. Super. Bon après, je collectionne pas la série, je ferai pas les reverse. Mais juste admirer la beauté quand même. C'est toujours ça. Après, bon, c'est vrai que en ce moment, j'ouvre plus tant que ça des masses de des cartes, des boosters, de. Ah, Pikachu, une deuxième. Super. Bah, comme ça, je verrai c'est laquelle la plus correcte, la plus cadrée. Spectrum. Ça c'est Rondoudou qui a mangé trop de trucs énervés, de piments. Salvio, Dauphin, Conviction de Mortimer, Melmetal. Hop. C'est vrai que j'ai pas fini la. Il y en a deux que je n'ai pas fini, c'est Zénith Suprême. J'ai pratiquement fini les ultra rares. Et par contre, 151, j'ai bientôt le Master 7, mais il me manque quand même encore pas mal d'ultra rares comme Dracaufeu et d'autres. Ouais. Peut-être terminer un jour la collection. Garde de fer. Ouais, du coup, ça serait un objectif. On verra ça bien plus tard. S'ils ressortent pas un 151 ou un Célébration 2.0 qui pourrait refaire relancer la hype, un peu en quelque sorte. Galopa, Abo, Coraidon. Ouais, bah là, on a une période creuse, forcément. J'ai eu pas mal d'ultra rares dans la première partie. Et je me dis peut-être bien que la deuxième, elle est déjà sûrement cuite. Oh, j'avais pas encore eu celle-là, Crocodile. Avec l'illustration comme ça, c'est stylé. Ça fait un peu cartoon manga, ça déglingue. Larvibule, Guide, Delcati, Forivoire, Skitty, Charmina. Ah, yes! Raikou. Donc c'est Hirefoudre X. Pas mal, c'est stylé. Super.
Alors, pour la dernière partie, il reste 5 boosters. Ça fait déjà 10 minutes. 10 minutes d'ouverture. Ça passe vite. Et puis moi, je tourne ça le soir, alors que je travaille le lendemain matin tôt. Donc après, on va aller se coucher quand même. Et les câbles dessous lourdeau, balignon, reliquante. Hop. Énergie. Alors, Chapignon, Terral, Out, Boumata, Sinistra, Keldeo. Voilà, je passe vite fait parce qu'on commence à connaître les communes peu communes. Les Trem, Kéminus, Méridon. Ouais. Et à force, je pense que vous avez quand même déjà vu des ouvertures depuis le temps. Parce que c'est vrai que je sors ça pas en début de sortie d'extension. Et en plus, il y en a déjà une bientôt qui va arriver au mois de mai. Qui s'appellera. Je sais plus, Masque Crépusculaire, un truc comme ça. Je sais pas vraiment si elle va être bien cette série. Au revoir. Sinon, bah, comme celle-là, je vais en ouvrir, mais pas des masses. Colombo. Drayeul. Ok. C'est les deux derniers. Je vais ouvrir celui en dernier. Alors, Topico, Medina, Tortipousse, Abo, Capsule, Archéodon, Hurlequeue, Delcati et Alligator. Allez, le dernier de la display. Hop. Let's go. Vivaldin. Kaiminus, Crinipio, Arbok, Zeraora, des Poffines, Roue de Fer, Boscara, termine avec un vieux Volcaropode. Et ben voilà, donc finalement, il n'y en aura eu qu'une seule d'alternatif. Alors, la deuxième partie, elle est quand même moins garnie, mais forcément, la première a déjà été bien gâtée. Donc, Irefoudre X, Feu Persan X. Du coup, pas de Suicune. Reliquante, qui est très jolie. La Ectoplasma, qui est vachement stylée en air, en full art. Et du coup, l'alternatif dresseur de Nefli. Ouais. Pas ouf, franchement je suis pas trop fan, mais bon, on va prendre quand même, c'est tout. Et puis la Pikachu qui est vraiment un beau coup de cœur pour le coup, pour une commune. Ouais, c'est juste une commune, mais on la voit pas tant que ça. J'en ai eu que deux dans la display, donc à croire qu'elles sont rares quand même. Voilà, allez, du coup je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.